Hello, bonsoir! Début de live à l'arrache, comme d'habitude, hein, sur le mardi soir, vous avez l'habitude, je commence un peu d'un moment à chaque fois. Et maintenant, j'en profite de vous faire attendre sur une page d'attente, tout en vous mettre là, directement la finale de 50 qui est en cours. Mathias est très mal parti, mais il a fait une très très grosse remontée, 3ème, donc ça c'est cool. Juste devant, on a Rasmus, James Parking, et Mathias qui est 3ème. Axel Chatin qui vient, Mathias vient de le doubler, mais il est parti à l'erreur, du coup ça va peut-être profiter à Etienne! Qui est 5ème, donc encore une très bonne course, début de première course, enfin début, 14 minutes, c'est déjà presque la fin. De bon début de course de part de la team, et il y a aussi Clément normalement qui roule, Clément 8ème, qui est plutôt pas mal. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a dans la team. Ah non, il y a Pablo aussi, excuse-moi Pablo, 11ème. Ça roule plutôt pas mal, ça a bien roulé en hit, ça a plutôt bien roulé. Hein. Il y a eu 4ème, 6ème, 1er, 2ème, je crois, si je me rappelle bien de ce qu'ils m'ont dit. J'ai vite eu un petit briefing avant la course. Pablo qui vient de rentrer en 10ème course, on va le suivre un peu Pablo, qui vient de rentrer en 10ème course. Non, en 10ème course, en 10ème place, oula la loupe, un peu ricrac, mais ça passe nickel. Ah, il saute pas, je pensais qu'il aurait réussi à sauter, mais non. Ça ne saute pas. Derrière, il y a qui? On a Timmy. Ah, bah il vient de passer 9. Benjamin Lebois, Axel, Kevin, Tom, Nicolas, Kyle, après c'est derrière, je quitte. On va suivre un peu devant de la course, Mathias qui remonte doucement, hein, qui fait son petit bout de chemin, qui remonte tranquillement, tranquillement. Qui est actuellement 3ème, 10 secondes, il y a encore largement moins de remontée. Je sais pas du tout combien de tours ils ont, combien de temps, je crois que c'est 15 minutes plus un tour. Si j'ai pas de bêtises, je vais essayer de voir quelqu'un qui... Mathias va pas s'arriver, on va voir s'il y a un drapeau blanc. J'arrive pas à voir, c'est sans doute le... Ouais, drapeau blanc, c'est le dernier tour. On pourrait regarder au moins le top 3, ce serait cool, le petit podium. Après, il est un peu loin le deuxième, hein. Il est quand même assez loin. On va suivre Mathias sur cette finale, sur la fin de la course, on verra après. Ouais, non, j'ai mis début dans 5 minutes, c'est ce que je mets début comme ça. Et je me dis, tiens, je vais mettre leur finale, la finale de 50. Et j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai fini manger et tout. Donc du coup, je vais t'en commencer maintenant le live. Mais du coup, je commencerai proprement le live. Après, c'est juste que je mets... Oula, Mathias, non, Mathias. Non, Mathias, t'as pas le droit de perdre la 3ème place, Mathias. Ça va être tendu là. Est-ce que Axel va aller chercher la place? Oh, y'a pas Etienne juste derrière. C'est tellement tendu pour la 3ème place. Grosse battle pour cette 3ème place. Est-ce que Axel va tenter? Est-ce qu'un de ses pilotes va tenter? Ah, Axel qui va sans doute tenter l'intérieur sur. Non, pas l'intérieur sur Mathias. Mathias qui va peut-être essayer de garder cette place. Est-ce que Axel va tenter l'intérieur? Axel qui ne tente pas l'intérieur et Mathias qui va réussir à la prendre. Va-t-il? Attention au niveau des pénas. Ça joue vraiment pas beaucoup. Hein. Là, il y a 3 pilotes. Donc, en 0,25. Mec, je finis à 3. Tendu cette 3ème place. Oh là là. Ah, ça va. Oh, tiens, tu passes 4. Oui. Oh, mais 4, ouais, et Mathias garde la 3ème place aux pénalités. Oh putain, c'est passé vite. Yes. Donc, impeccable. Mathias bon, 3, Etienne 4. J'ai vu que Pablo t'est remonté dans le top 10. Ouais, j'ai fait 10. Impec. Bon, et Clément, t'étais 8, non? Ouais. Ah, putain, je trouve. J'ai réussi à suivre. Et non, je ne roule pas à Zolder, je suis pas qualifié. Du coup, on va commencer le live proprement. Je me remute et je reviens juste après. Hein. Hop. Du coup, voilà, on peut commencer le live à peu près proprement. Maintenant que la course est finie, je voulais juste vous mettre la finale de 50. Comme ça, bah, tout le monde est content dans la team. Même s'ils regardent la rediff, ils voient un peu leur course. C'est quand même plus sympa. Hop. Du coup, voilà, bonsoir à tous. On est parti pour la course de Détroit, comme tous les mardis soirs. Course 450 de l'MF en catégorie amateur. On va voir un peu ce que ça a donné. On verra bien. Je sais plus du tout combien j'ai été qualifié. Je vais aller voir ça. Top 10 comme à chaque fois, je pense. Je suis encore un peu malade. Je reviens à l'entraînement. Je suis épuisé. Donc ça risque d'être quelque chose d'assez marrant. High start. Je suis 7ème au qualif. Ça va. On verra bien ce que ça va donner. Du coup, j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont présents dans le chat que vous avez sur votre droite. Vous rentrez un petit pseudo Twitch et vous pouvez discuter avec moi si vous êtes sur ma web TV ou si vous êtes sur ma chaîne Twitch. Bonsoir à 87 Rider, bonsoir à Aerocube, bonsoir à Alias Sky, bonsoir à Ben KTM, bonsoir à Benoît, bonsoir à Carlito, bonsoir
à Chambo, bonsoir à Degrélon, bonsoir à Distig, bonsoir à Tox, bonsoir à Dylan, bonsoir à Ygra, bonsoir à Jade, bonjour à Jonathan, bonjour à Kimai, bonsoir à Lel, bonsoir à Lucas, bonsoir à Matanto, bonsoir à Mix Enduro, bonsoir à Mix Fulco, bonsoir à Nikos, bonsoir à Oxygen Game, bonsoir à Petit Cookie, bonsoir à Keb, bonsoir à Ronix, bonsoir à Rider MX, bonsoir à Chefrain, bonsoir à Timothée Lucas, bonsoir à Tox Rides, bonsoir à Viper Hunter, bonsoir à Vats, bonsoir à Zedai et bonsoir à tous ceux que j'ai oubliés qui ne sont pas dans la liste sur Twitch et qui ne sont pas connectés au chat. Donc bonsoir à tout le monde et on est parti pour un petit live. On va bien voir un peu comment ça va se passer. Je le sens à peu près bien la piste, on verra bien ce que ça venait. Je change les casques, ça va pas du tout avec. By setup, helmet. Et on est parti. On a encore un peu de temps avant que ça se lance. On a à peu près 10 minutes avant le lancement de la première course. Donc on va pouvoir discuter tranquillement hein, comme à chaque fois. En début de live. Alors, un casque. Il pourrait bien l'avec. Black. C'est quoi ça? Multijoueur disconnect. Connecting. Impeccable. Nice. Ça va nickel. Du coup, oui, bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Bonsoir à I Love FR. Calexio, j'ai pas dit bonsoir non plus. Natch, t'as pas dit bonsoir. Matt, t'as pas dit bonsoir. Kira, bonsoir à toi. Bilan, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et encore bonsoir. Comme je disais, on est parti hein, pour aller jusqu'à 23h, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude de toute manière. Alors, Coco Mixwesh, deux questions. Déjà, pourquoi tu n'as pas ta cam? Les deux. Pourquoi j'ai pas ma cam? J'ai ma cam là. Coucou, j'ai ma cam. Elle a décalage à mon avis, mais non, mais. T'as un sacré décalage, tu sais pas ma cam. Et j'ai calculé pour MX16 et je peux pas jouer en ligne car ils me disent que ma clé est mauvaise alors qu'ils disent. Qu'elle est bonne. Peux-tu m'aider? Regarde cet apparent. En fait, quand elles disent qu'elle est bonne, c'est juste que l'impression de la clé, il y a assez de caractère, etc. Regarde vraiment si t'as pas fait de faute. Respecte les majuscules, minuscules, etc. Regarde si t'as pas mis un espace en plus. Essaye vraiment de bien la regarder. Et si ça marche pas, envoie un message à JLV sur le site ou sur le forum directement. Et il te corrigera tout ça. Tu penses finir combien? Aucune idée, je suis pas. Si je suis mes statistiques, top 10. Entre 8ème et 10ème, je fais que ça à chaque course, peu importe la course que je fais, si je pars bien, si je pars mal, je finis toujours entre 8ème et 10ème, donc j'aimerais bien réussir à faire mieux, on va essayer de faire mieux, mais bon. Je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on verra bien. Non, j'ai pas la même tenue que Pablo. Vous aimez bien la tenue de Pablo? Je suis pas super fan, moi. Impeccable, ouais, t'as dû faire une faute. Pas de soucis, Mixandiro. Salut, Albin Dum. Bonsoir, BG, bonsoir. Sur ta vidéo des gameplays MXGP3, j'ai posté un com, j'aimerais avoir ton avis sur la question pour savoir si c'est juste moi ou... Toi le temps, bah repose-le-moi là dans le chat directement Viper, je vais pas aller voir tout de suite sur YouTube. Tu me la reposes, je t'y répondrai, sans souci. Sans hésiter. On va dire bonjour Discord au fait, j'ai pas dit bonjour Discord. Bonjour Discord au fait. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut, qui dit l'autre? Là, tu veux que je te dise bonjour? Non, mais on aurait dit que t'étais. Bonjour! Ah, bonjour! Salut. Bonjour, maman! Oh putain, on a. Pas fait gaffe, on a bientôt les 900 follows! Bientôt les 1000, bientôt maman. Les 1000! Un jour, on sera 1000 sur les lives, ça sera un truc de dingue! Vous vous rendez compte? 1000 sur une course! J'aurais tellement la pression! Heureusement qu'on est pas nombreux! Ça me fait moins de pression! Je la bois! Rigoler! Bonsoir, Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Nous, on a même pas entendu ce qu'il a raconté. Non, mais ouais, non, mais pareil. J'ai mis de la boue, l'impression. Non, il n'y a aucun code de réduction pour les simulateurs. Ah! Merci pour cette intervention, Gauthier. C'est un plaisir. Ouais. J'ai une question. Ouais. Pourquoi t'es dans tes toilettes? Quoi? Pourquoi t'es dans tes toilettes? C'est mon téléphone portable. Oui, non, je sais. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu mets pas le téléphone, le portable à Mathias? Qu'est-ce que tu penses de MXGP? Non, ah, t'es trop drôle. Est-ce que quand t'as mis ton processeur, ça a forcé vachement ou pas? Bah, ça force un peu, quoi, mais pas énorme. Ouais, ça force un peu. Ouais, oui, bah, un peu, oui, mais pas. Faut pas appuyer avec le pied, quoi. Non, bah, je me dis. Ah, non mais si tu l'as bien mis dans le bon sens et tout. À coup de pied de biche. Bah. J'ai un démon de pneu chez moi. T'es sûr que t'as pris la carte mère qui va avec avec le processeur? T'as pris le bon socket? Bah de toute façon c'était un paquet beau. Donc, oui je sais que vous voyez pas le jeu. Parce que je, oui excusez-moi je. Non mais vas-y m'écoute pas.
Oui, non, mais tu m'as dit que ça forçait, oui, et... Non, mais tu m'écoutes plus. Mais où je t'écoute, bébé, je t'écoute. Ah, ça y est, je suis... Déçu et choqué, non, déçu en premier et choqué après. J'ai pris un kit Evo avec le processeur, la carte mère. Oui, de toute façon, t'as pris un kit normalement tout avec. Bah oui, voilà. Toi, c'est marqué, sur ton processeur et sur la carte mère, c'est marqué ce que c'est comme socket. Oui, oui. Normalement, c'est un 151 que t'as, je crois. C'est les derniers. Non, vous avez pas le gameplay, vous êtes privé. Alors ton com, j'ai regardé le gameplay et un truc te fâche, te frappe. Pourquoi la moto est sur un rail, il glisse pour rien, il prend ses virages au calme comme Supermot dans la boue. Ouais, après ouais, c'est vrai que c'est assez bah ça reste une spécificité des MXGP hein. Ces motos sont vachement sur des rails hyper ils sont lourdes en fait, le gameplay est lourd. Après, faut savoir que souvent, les gens qui font les vidéos comme ça, ils sont pourrés d'aide. Et le fait de jouer en base, bah forcément, ça donne l'impression d'être dans une rail. Dans un rail. C'est comme si jouer à Mix Simulator en mode arcade, tu as l'impression d'être sur un rail, quoi. Parce que t'auras tellement d'aide que bah, ta moto, elle va rouler toute seule, quoi. C'est limite si tu touches pas la manette et tu vas essayer de faire un tour, quoi. Ça vient de là, à mon avis, ça vient des aides. Il y a eu des grappes, Gauthier. Je crois, mais... Toi, je suis en train de m'entraîner. J'ai la Yusk, mais ça y est, j'ai enfin pris le temps de mettre les kawas sur la Yusk. Du coup, bah ça y est, je roule incognito maintenant. Et vu que j'ai la kawa dessus, bah j'ai plus l'impression de rouler avec la Yusk, donc ça va plus me stresser. Ça fait un truc à moi à penser. J'ai pas téléchargé le pack. Oh. Oh. Tu sens une différence avec la Yusk, Bah par rapport à ma YZ, non, aucune, à part qu'elle est un peu plus molle. Mais c'est juste que vu que tout le monde l'a, bah au moins je passe incognito, quoi. Pas que j'ai la grosse tête et que tout le monde me reconnaît et que j'ai envie de rouler incognito, c'est juste que bah avant, vu que j'étais le seul en YAM, bah si je faisais une merde, tout le monde savait que c'était moi direct, quoi. J'avoue. Du coup maintenant, si je fais un bloc pass, bah personne, enfin, il faut savoir connaître mon numéro, quoi. Mais bon, c'est déjà un peu plus discret. Quand je prends un virage, mon perso ne sort pas le pied, comme ça a fait. Arrête, ça c'est la question qui me revient tout le temps sur l'accélérateur. Pourquoi, comment tu fais pour sortir le pied aussi vite? Ça change strictement rien, ah. Le pied en fait, c'est ton max da speed, tu le règles à fond et tu mets à 60 et il va sortir le pied. Et du coup il tombe. Bah tu règles ton max da speed. Mais tu sais que ça dépend, hein. Des fois tu tombes moins en sortant moins le pied. Hein. Ça dépend. Ouais. Genre en MX t'es mieux à... dans les ornières t'es mieux à pas sortir le pied en fait. Faux. Ton pied... C'est relou là, l'enjeu de merde là. Ah, ça y est. Ça y est, il rage. Ça y est, il va le revendre. Tu l'as payé combien? Alors, parce que Jérôme, il roule en C, en fait. Il roule à 20h30. C'est pour ça qu'on le voit plus. Et puis, de toute façon, il a jamais été beaucoup sur D'accord, le Discord, okay. Mais vu que maintenant, il roule... Il a gagné ou pas, aujourd'hui? Oui. Ouais, oui. Ouais. Voilà, il roule en C, il fait sa petite vedette en C. Et... Ouais. Parce qu'il a pas le temps, je crois. Ouais, parce qu'en fait, il peut pas rouler le soir, du coup, c'est pour ça qu'il roule en C. Mais là, il est deuxième du classement, là. Mais le problème, c'est qu'il a genre 20 points de retard sur le premier. Ouais, il a encore quelques rounds. Le problème, c'est qu'il fait tout en deuxième, le premier, non? Bah, ouais, il fait souvent des bonnes places. Bien sûr. Non, avec Axel Dieu. Ouais, mais je pense qu'il a moins de remontée. Il est tellement régulier qu'il a moins de remontée, hein. Mais il reste que 5 rounds. Bah, asynchrone, il suffit que l'autre il fasse de la merde. C'est déjà long, asynchrone. Synchrone, ah, déjà, s'il fait premier et tout le temps deuxième, il y a déjà 15 points. Ouais. Il manque combien de 30 points, tu m'as dit? 20. 20, bah, tu vois, voilà, il suffit que l'autre il fasse un top 10 sur une course et c'est bon. On dit 20, hein, on dit pas 20. Non, mais c'est dans le noir, ça cherche quoi. Ah, 20. C'est pas énorme. L'autre, ah, attention. Ah, j'allais dire, tu sais ce que j'attendais, Pablo, qu'il nous sorte? Non. Ah, vous êtes du sud, c'est pour ça que vous disiez pas la même chose. J'étais sûr. Ah oui, aussi, ouais. Alors, Mathias a fini. Non, mais mec, tu verrais comme une plante le jeu là. Wow, allez, Clément, casse-toi là. 8 et. 8, ouais. Et Pablo a fini 10. Et Gauthier, bah, il va rouler avec moi, donc il a encore rien fait. Gauthier, il connaît pas le crash. Le jeu a fait cracher mon PC. Je vais me pas regarder, j'étais où? Ah là là, Battlefront, c'est terrible, ah là là. Je sais pas Battlefront, alors tu fermes ta gueule. C'est quoi? Battleground. Ouais, c'est la même chose, c'est non, pas trop, de pute. Non. C'est pareil. Bah, c'est un jeu pas petit, c'est aussi optimisé qu'un Mix Simulator.
Non mais tout à l'heure il s'emballait. Et puis là maintenant c'est emf2.mixim.fr. Mais en fait j'ai pas mis parce que vous pouvez pas jouer avec moi là, c'est une course, faut se qualifier et tout. Ouais mec, ça fait planter mon PC. On t'entend pas Pablo, hein, tu bug. Ouais, bah, parce que mon PC il est en train de planter. Toujours. Allez, clic droit. Allez, gestionnaire de tâches. Super reset, t'as vu. Allez. Allô. Oui. Bah, je suis hit 1, on est 12. Allô. Allô. Bloom, Rebillion. Oh, il y a du monde dans le 1. What? Gauthier, t'es 1 deux... Pourquoi il y a eu 2 UID? C'est beau. Bon, je vais voir, je vais dire. J'ai pas vu. Du coup, t'as vu dans quel hit tu étais, non? Oh, let's go. 2, je crois. On est chaud, on est chaud. Ouais, je suis en 2. Pablo est trop chaud en ce moment, il se qualifie tout le temps. Bat bat, bienvenue, bonsoir. Qui c'est le PD qui a dit ça sur le live là, je vais l'enculer. Ah Gauthier t'es en premier hit. Ah non hit 2. Non faut hit 2. Oula non désolé, ah, il doit bien faire, j'ai pas le temps de vous aider. Je peux vous répondre à des questions mais je peux pas vous aider individuellement un par un quoi. Mais non mais non. Ah t'as pas mis les jantes bleues Hugo? Oui. Les jantes tu les as pas mis toutes bleues, t'as juste mis le moyeu. Ah je peut-être. Ouais bah putain, mais c'est bien comme ça. Ouais non mais je sais que c'est mieux comme mais ça. Mais Hugo franchement prends Server Gate 1 mec, c'est tout full. Et c'est ce que j'ai fait. Va sur et t'as vu les gates au premier virage? Non. Bah regarde. Commence pas à tricher toi là-bas. Bah mec tu prends dans les ballons c'est bon. Ah oui. Tu peux couper après vu, le ballon bleu en fait. Ouais. Pourquoi ils ont pas mis en haut? C'est bizarre. Je sais pas, bah je pensais ouais qu'ils mettraient en haut. Voilà c'est parti. Parce qu'en fait la gate... Flaming. Ouais. La gate numéro 1 ils auraient dû la mettre dans le virage quoi. Bah ouais. C'est parti. Et le bon hall shot il est au bon endroit. Hein. Laisser, le nom... Est-ce qu'il fallait laisser la gate pour le hall shot? Oui oui. Allez, je me mets sur Clément. Et les gens, vous savez pas comment je peux faire de la place sur mon disque dur Windows. Désinstalle le dossier qui s'appelle Windows. Tu supprimes. J'allais dire la même chose, Gauthier. Non, merci. Je m'appelle Hugo. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, non, pas trop. Tu prends de l'essence, tu jettes une allumette. Ça marche bien? Bah normalement oui. Filme-le aussi. En même temps. Évacue la résidence peut-être en même temps. A mon avis y a pas que l'ordi qui va prendre feu. J'appelle les pompiers ou pas? Non laisse, prends en vidéo, le feu ça va être bien. Laisse brûler. Et après je fais quoi? Ouais tu mets sur YouTube. Non. Ouais mets un peu de papier journal aussi ça brûle. Tu marques, vous n'aurez jamais ce qu'il fait pour éliminer ces virus. Tu fais un Facebook live quand même pour que tout le monde voit la résidence brûlée. Bienvenue à celui qui vient de me follow. Je sais pas qui c'est mais bienvenue à toi. Ah les bleus ils ont marqué le foot. Ok. Ah d'accord, c'est qui a marqué? Je sais pas. Ah non en fait hors jeu. Ah, non. Du coup je vais allumer ma télé pour pouvoir regarder. Où est ton homme? Dis-moi où est ton homme. Chut. Ah, bazardé. Quel casse-couille ce mec. Je sais pas de qui il tient mais. Ouf. Ah là, ça parle des mères. On a entendu le petit amer en loose. Ah non. Eh oui, parce que les mamans on aime ça. Surtout c'est la Mathias. Mais c'est pas. Il vient pas d'une cigogne. Qu'est-ce qu'il dit? Oui Mathias, oui. Oui. Ah non, merci. Oui, 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 oui. Une cigogne l'autre. Une cigogne. Qu'est-ce qu'il parle de cigogne? On est plus dans les comptes, hein. Bon, moi je fais quoi avec mon disque dur là? Mets le feu dedans! Non, mais sérieux, parce que je peux pas jouer. Mais enfin, les mecs, il me reste. Hein?
C'est plus le jeu que tu ne sers plus. Mais sauf que mes jeux ils sont déjà sur un autre disque dur. Il me reste 331 MO sur mon disque dur Windows. Déplace tous tes dossiers, mes documents, mes images et tout le bordel. Genre documents, images, musique, téléchargement et tout. C'est ça. Ouais, voilà, tous tes films cochons là, tu déplaces tout. Et t'as vidé ton dossier téléchargement ou pas? Oui. Ah. Ah. Merci à celui qui me follow, je sais pas qui c'est, mais merci à toi. Mathias, t'aurais dû enchaîner. Ouais, après, parce que je suis vraiment concentré. Je pense que vous pouvez comprendre. Bah, j'ai déplacé, ça a rien fait. Faut. Putain. Quoi? Un coup de cleaner. Chouin. Cette go là, c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère. Chouin. Hey, tu sais, je l'avais pas identifié. En fait, vous avez vu le respect de la team quand il y en a qui roule. Nous, on ferme sa gueule pendant la finale et eux ils. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, t'es même pas sur le Discord parce que tu nous aimes pas de toute façon. Fais gaffe, milieu. Et puis c'est même pas la finale, donc on s'en bat les couilles. Voilà, tombe. Ah, Etienne, t'avais vu la vidéo Non, je sais pas si t'avais identifié dans chouin. Mais nous, on préfère les chouin. Non, elle a dit chouin. Oh, bah il est beau le drapeau bleu. Oh, bah il est beau. Fais gaffe, il bouge pas. Oh là là. Ouf. Ah, Manu da Silva. C'est le mec. C'était lui. Ah, ouais, c'était lui en plus. Le mec, il avait toute la première ligne pour se décaler, même pas il bouge quoi. Ah, j'ai dit ça au pif, mais. C'est un casse, mec, quand même. Hein. Je regarde tes traces, Hugo. Oh, comment ça se bloque passe. Oh, ça se bloque passe. Oh, elle est pas mal ta trace là. Oh, ça se fume dans les whoops. Avant le. Ah! Moi, je me mets trop long ici là où t'es. Bon, Hugo, finis ton id et il faudra que tu m'aides. Parce que là. On t'empêche ça de finir, merde. Ah, oula. Ça n'empêche, on a géré, mec. Etienne, on fait 1 et 2 en hit et 3 et 4 à la finale. J'avoue. Ok, ça parle même pas de nous. On est assez pas. Déçu et choqué. Bizarrement, Mathias, il va mettre un post sur Facebook cette semaine. Ouais, bizarre. Hein? Non, mais c'est bon, Mathias. Non, mais j'en. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. On connaît tes. Hein? Mais quoi? T'as changé, Mathias. T'es c'était différent mieux. De nous autres. Ah là là, j'aurais pas dû. Ah, j'aurais pas dû la bouillable, la Simone. En fait, t'es une coquine, Mathias. Non. Oui. Si. Depuis oui qu'elle l'a rendu malade, il a fait coquine. Ah, il s'est même puté. Oui. Bah, je sais pas, attends, faut que je lui demande. On est en couple ou pas? Bah, ouais. Ah, ok. Pourquoi tu me demandes ça, bébé? On est même mariés. Et en fait, je voulais pas faire de mal à Pablo, mais bon. Je m'en du coup, c'est qui? Me dis pas que c'est ton ex. Ah oui. Le canard. Ça vaut rien de pas. Ouais, ah, ok, c'est ton ex. S'il nous le dit pas, c'est qu'il a honte. C'est normal, ouais, elle l'a rendu malade avec sa vieille schneck. On en live, je fais gaffe hein, quand même. La schneck de mort. La schneck pas fraîche. Même lui, il dit. Chétan, la schneck de mort. Quand arrêtez il a bouillable, il a chopé le Chétan. Non, à cause de vous, je tombe. Putain, faites chier. Mec, il disait, il a 15 secondes d'avance. Et... En plus, c'est le dernier tour. Essaye de finir premier, ok. Je vous. Ça mérite un whip, ça mérite un whip. Oui, ah, c'est que c'est même pas l'arrivée. Ah, maman. Ah. Imagine, il aurait pas coupé les gaz. Non, je regarde quand même le drapeau. Mais tombe ta mère, putain, mais tombe. Vas-y, c'est ma première chute de la course, quoi. C'est fou. Tais-toi, toi, là-bas. Ah, ok, pardon. Déçu et choqué. Allez là, Hugo Croissant. J'entends pas les rages. Ouais, non plus. Tout à l'heure, il m'a envoyé choqué et dessus. Bah ouais, dessus ta mère. Oh.
Le pauvre fils de pute. T'es grave pas. Désolé, mec. Tiens, ta gueule. Bon, Hugo, il a gagné sinon. Oh, le il a pas de backflip. Oh, gosse. Il va où? Il a pris une tenue à rébillon, oui. Ouais, j'avoue. Mais mieux, il roule vite, mais. Ça y est, ça se la pète. Ça, j'arrive pas à monter dessus. Mathias, il a ragé, il m'a kick. Vas-y, fais un burn. Tu peux pas. De toute façon, Mathias, il entend pas. Bon, bah voilà. Un hit qui se passe plutôt pas mal. Vas-y, c'est ma place, toi. Dégage, Bloom. Bloom, dégage. Il m'a kick. Attends, ça me roule un peu. Ah, ça va. Plutôt... J'espère que vous avez aimé ce petit hit, parce que là, franchement, je peux pas faire beaucoup mieux. J'ai fait une chute dans le sable, une petite glissouille. Bon, je perds quand même les pieds. Ah, il veut que tu te mettes à côté sable. De lui. Mais franchement, ouais, ça commence vraiment à venir. En plus, le temps autour, pas dégueu, 57-9. Bon, il y a Clément qui est en 5. C'est pas Clément c'est... Ah non, c'est Bloom qui est en... C'est Bloom. Ouais, c'est Yannick Bloom qui est en 55-8. Mais bon, il est derrière, comme quoi ça veut rien dire. Mais bon, voilà. Yo, Steve and Doc, tu viens de rater mon hit, c'est con. Tu viens de rater là, une belle course. Vraiment, en plus, je suis pas parti en tête et j'ai pas fait toute la course en tête, donc j'ai vraiment eu un petit dépassement à faire et tout. C'était assez propre, pas trop d'erreurs et tout, ça a bien enchaîné les tours en 58, 57. Je suis assez content de moi. Donc ça s'annonce bien pour la finale. En plus, je vais pouvoir partir à la 1, ça va être cool. Parce que là, le pauvre Yannick, comment je l'ai serré au départ, je suis parti devant lui, je me suis mis devant quoi, direct. Ouais, t'as pas le shot en plus. Mais c'était cool, ouais. Yo, Screw! Yo! Bon, maintenant on va attendre un peu. Il y a le 8-2, il y a le LCQ. Puis on devrait être bon. Je suis assez chaud, le track est pas compliqué à vrai dire. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux pas essayer. Bon, allez! Tant qu'on chute pas, en fait, ça va. C'est... Faut juste pas chuter. Pourquoi tu veux pas ta tenue casse-couille, Gauthier? Ah oui. Ah bah. Ouais, ok, ça je m'en fiche. C'est merci Mick Steve, merci. T'as changé de casque en plus, Steve Gauthier. Doc. Merci, bienvenue à toi. Merci Marfolo, merci de ta confiance. T'as quoi? J'ai pas téléchargé de casque. Hugo with a backflip for the ladies of English nice one brothers. Mathias, Hugo. On l'a bavé. Hugo. Hugo. Oui. Et Hugo. Oui. Tu peux m'aider? Oui. Merci. Oh, putain. Mon disque dur il est plein, je sais pas comment. Je sais pas comment. Il essaye de jouer à Mixes. Bah, désinstalle le logiciel. Comment avec ta intro, tu vas dans Programme File, dans tes programmes, tu regardes ce que tu as pas besoin. Bah ouais, mais c'est déjà fait, mais c'est que j'ai besoin de pas mal de trucs quand même. Bah, mais pourquoi il est plein depuis quand? Depuis très longtemps. Ah bah oui, tu peux rien. À chaque fois, je supprime des trucs, mais c'est qu'après, je réinstalle des trucs. Mais pourquoi t'en installes pas directement sur les autres logiciels, sur les deux autres disques durs? Ah, j'ai oublié. Je le fais, mais il y a des trucs qui, ça, genre quand je télécharge, c'est directement sur le disque dur Windows. Bah, tu peux changer quand tu télécharges l'endroit où tu sais se télécharge. Ah! Tu peux tout changer, t'es aussi. Mais genre, tu sais, genre, je fais envoyer vers. Tu vois des trucs par exemple, pour ouais. Les garder mais pour les envoyer dans un disque dur. Mais du coup ça reste quand même sur mon disque dur Windows. Faut que je les supprime? Bah oui. Ah. C'est comme les copier coller. Genre là je voulais regarder un truc. Ah oui, qui m'avait follow pendant la course? Parce que là tu vois, dans mon programme file, et bah j'ai déplacé mon command file vers mon disque dur F. Enfin mon disque dur externe. Ton command file c'est quoi ça? Je sais pas. Adobe, Apple. My subscribe. Steam. Dashboard. Non, c'est là. Du coup, merci à Lulu3946. Si je le supprime. Merci à Zotros, je pense qu'elle se prononce. Merci à toi. Et voilà. Merci à Trigger qui a follow hier aussi. Mais bon, c'était hier, c'est pas grave. Merci quand même à lui s'il est présent sur le live. Merci, merci. Oui, Screw, ça va bien. Babas, non c'est pas fini, non, reste là Babas, reste là, j'ai fait mon hit, j'ai gagné mon hit, coupe place à la finale, là c'est le hit 2, après il y a le LCQ, donc reste, c'est bientôt la finale. Je prends le risque de le supprimer ou pas? Bah faut que tu saches ce que c'est quoi.
Bah je sais pas. Oh, ok, il s'est éclaté. Ouais. Putain, Emilien, bon, bah... il est 11ème. Si vous m'entendez plus... Ouais, c'est que c'était pas ça. C'est normal. Au revoir. Un, tu cherches à faire quoi, Théo, avec ton point d'exclamation FC? J'ai pas cette commande, moi, sur mon live. Ah, check, j'ai pas non plus. Les commandes, c'est pas universel. Putain, ça me demande un truc d'administrateur. J'ai grave peur. Non, mais déjà, déplace tes, tes documents, images, musique, déplace tout ça. Bah c'est fait, mais ça a rien changé, ça m'a libéré un mot. Mais pour faire ça, il faut que, en plus, faut que tu changes dans dans les paramètres Windows. Faut déplacer. Oula. Dedans, ou peut-être juste sur le dossier, tu fais clic droit, déplacer l'emplacement, je sais plus, mais il y a une manip à faire, que ça bouge et que ça reste. Déplace ton fichier temporaire aussi, dans ton app data, le roaming et tout le bordel, t'as plein de bordel normalement. Un coup de cycleaner, normalement, si tu gagnes. T'avais fait un coup de cycleaner? Tu me parles en chinois, chef. Télécharge cycleaner, c'est à mon avis, tu dois avoir des fichiers temporaires qui font 25 gigas. Moi, je suis plus Kawasaki, cette race. Ah, tu peux pas savoir combien, depuis combien de temps t'es follow, Théo? Ah, putain, j'ai pas cette commande, désolé. J'arrive pas. Oh bah le premier il est tombé, mec. En plus. Harry White. Voilà, regarde Mathias, Harry White, je sais pas s'il va refaire ce qu'il a fait. S'il va le refaire. Revengen, merci à toi. Ça sert strictement à rien ce qu'il fait. Tu sais que c'est aussi rapide que de prendre l'intérieur? Ah ouais? Ouais, c'est même plus rapide de prendre l'intérieur. J'ai doublé Clément en prenant l'intérieur. Ma façon, c'est que c'est plus risqué quoi ce qu'il fait. C'est hyper plus risqué et tu perds ton temps à aller chercher le haut du virage en fait. Alors que l'intérieur, tu colles vraiment tout l'intérieur, tu ressors plein gaz et tu perds pratiquement pas de temps. Ouais, bah. Et tu sautes pas plus puis en si hauteur. Si à la double. Pour monter sur la table, tu sautes en longueur et après la table, tu sautes en longueur. Oui, t'as juste la simple à la fin, mais c'est 100 fois moins risqué quoi. Eh ben, bon, je veux dire, s'il part externe et puis qu'il tape la route derrière sur la double, tu vas voir comment il va se manger. Il prend toujours plein de risques de toute façon, Harry White. C'est vrai qu'il fait des mauvais résultats à chaque fois. T'as eu des retombées depuis la vidéo du BMX, niveau abonné, etc. Y'a que les likes qui ont explosé. Ouais, y'a juste les likes, Viper qui a explosé. J'ai pas eu beaucoup plus d'abonnés. J'ai pas fait plus d'abonnés ce mois-ci. Et de toute façon, j'en ferai pas plus tant qu'AMIGP3 ça pas sorti. Je vais avoir un pic quand AMIGP3 va sortir, mais sinon. T'as une continue. C'est pas les mousques. Tom, non, il a pas joué, Tom. Il le bloque pas. Ouf! Oh, le premier, oh là là. Découpage. Oh putain, Alex, t'as redoublé. En fait, Alex, je vois pratiquement pas sa tenue parce que c'est les mêmes couleurs que ma tenue par défaut. Fais gaffe. Il fait coller. Oh, il avait triple. Le live bug chez vous? Non, il bug pas, moi j'ai pas de drop, donc c'est la box. Oh mec, j'en ai marre. Nice. J'ai fait un cycleaner et toujours saturé mon disque dur. T'as fait un cycleaner, t'as supprimé combien de places? Marqué normalement 500. Emo? Oui. Allô? Bah oui, c'est tout. Je sais pas quoi. Tu dois avoir plein de logiciels sur ton disque c'est. T'as combien de gigas sur ton disque c'est? 149 gigaoctets. Ouais, c'est un SSD. Ouais. Café Xter Gauthier. Bon, je sais pas quoi faire, ça me gave. Faut vraiment que tu fasses du tri dans tes logiciels, quoi. Oh putain. Bah, c'est simple, va dans ce que c'est, tu fais clic droit sur chaque dossier, tu vas savoir ce qui prend le plus de place. Clic droit propriété, tu sais, et tu vois le nombre de places que ça prend. Tu vas savoir où il faut que tu fasses du tri. Et je te rassure, hein, même moi, pareil, mon SSD, j'ai 126 gigas et tout en full. Ouais, c'est relou. Je peux te faire un don de combien maximum? Y'a pas de maximum, Bavas. Tu peux me donner 200 euros. Non, mais 1 million, euros, c'est tu bien. Tu peux donner 2 euros, tu donnes 2 euros. Si tu veux donner 50 centimes, tu donnes 50 centimes. Y'a pas de maximum, y'a pas de minimum non plus. Impeccable, Nas, alors. Mais non, Zot, reste, ça va être la finale. Pars pas. Le Monkey, bienvenue à toi. Bonsoir, Johan, bonsoir. Partez pas, ça va être la finale. Gaffe Exter.
Ouais, mais si j'enlève ça, c'est mort, mon PC, maintenant. Ah, il fait quoi, lui? Oh, mais Gauthier, mais t'es d'un follow. L'autre, il dit, tu fais quoi? C'est lui qui fonce direct dessus. Et j'y ai tombé tout seul dans la première ligne. Oula. Allez. Mais t'as la peur ou quoi, lui? Ouais. En fait, il est revenu sur la piste comme un débile. Bon, vous voyez, il y a Gauthier qui fait 6, c'est moi qui gagne. Vous savez qui a regardé, hein. Et moi, j'ai téléchargé le track hier. Je veux pas savoir. Oh, l'autre. Non, l'autre, comment il a glissé comme une pute. Ça a l'air en plus. Ouais, normalement, ok, je devrais passer. Alix, il est 8, hein. Ouais, un peu. Allez, hey, wait, il a le temps d'écrire des messages. Ouais, 1000 euros, c'est pas mal, Abbas. C'est pas mal, ça, 1000 euros en trop, je le veux bien. Oh là là, le cinéma. C'est quoi Evernote? Vous connaissez? Faut que tu fasses déplacer les courses au mercredi soir, car tous les mercredis matin, j'ai DS. Et merci. En restant, regarder le live, c'est un peu dur le matin. Je peux rien faire, désolé, Ben Katem, je peux rien faire du tout. Essaye plutôt de faire des DS au mardi matin, ça devrait être plus simple, je pense. Ah, mais mec, je cible des trucs, ça s'enlève même pas. Ça va pas en cours. Yo, Nax! Bienvenue! T'es comme Etienne, mais toi, pour quoi? Ah, Dylan, t'as raté! J'ai gagné mon hit! T'as raté ça, t'as raté tout! Faut regarder la rediff. Oh, Gauthier! Eh, Gauthier, 3 tours dessus! Les pénales! Mais non, mais il est trop gros, il arrive pas à le passer, il passe à côté! Il est trop bouffé, il a tellement fait peu de moto qu'il est devenu comme Stewart! Quand il assis sur la moto, il touche la potence! Enfin, il touche les têtes guidon. C'est pas un vélo. Ouais, mais. Allez, bise dans ta gueule. Il touche le guidon. Bon. Hein. Regarde, voilà, il est tellement gros qu'il se prend l'arrivée. Il passe même pas entre les trucs d'arrivée. Oula. Mange-le. Oh, putain. Je laisse pas. Etienne, il y a penalty. Ah, mais je sais pas, j'ai pas ma télé d'allumer, Zinda. Bah, c'est qui tire? Bah, l'Espagne. Mais non. Si. Vous, en plus, c'est pas faute du tout. C'est qui l'attaquant qui va tirer, Zimna? Ah si, y'a faute. J'ai déjà essayé, mais quand je dis faut les déplacer, sinon je peux pas regarder live des Mixway. Ils aiment pas trop, tu vois. Ah, oh, est-ce qu'ils me connaissent pas? Faute de... Dites-leur de me regarder, faute ils vont comprendre. Faute de qui? Cochonny. Y'a but? C'est le 21 qui tire. Merci. Y'a combien? 1-0 du coup? 0-0 toujours. Attends, il tire là. Ouais, celui de dimanche, ça va, je les fais pas tard souvent. Ils sont en fin de soir, allez, fin d'après-midi, ça passe encore pour les regarder. Ah, tu fais comme moi, tu bosses avant et après ça fait une petite pause pour... C'est qui a marqué? Messi. Messi, mais pauvre con. Non mais alors lui... L'autre il va me faire, eh Messi, ah, d'accord. Ah ouais, bah il a tiré du côté droit et Lloris il a plongé du côté gauche. Non mais l'attaquant espagnol c'est qui? Attends, j'arrive pas à voir ce qui est marqué dans son dos. Mais putain, c'est marqué qui c'est qui a marqué ouais, normalement? C'est vrai, il s'est marqué partout sur l'écran, l'autre il arrive même pas à voir. Il a des cheveux mi-longs. Non mais t'es con, tu le fais exprès. Mais attends, c'est pas... Ah ça y est, ça va être marqué là. Ils reviennent dans leur surface. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est les joueurs, ah, là, ils ont marqué le but, ils reviennent dans leur camp. Mais sauf qu'ils marquent quand ils sont dans leur camp. Du coup ça s'affiche. Désolé pas. Nathan. Mais si, c'est obligé que ça ouais, s'affiche bah, je suis un peu bilingue dans la vie, donc moi NATH c'est NAS quoi. C'est... Mais du coup je le saurai. Merci, Nat. On sait toujours pas qui c'est qui a marqué. Ouais, non mais... Je suis d'accord avec toi, mec Ross, hein. Le foot c'est nul, vide MXS. Thiago Silva? David Silva? David Silva, ouais. Ok, c'est ça. Manu ah bah, Silva il... qui a marqué. Son foot, je m'en bats les couilles. Ah bah en même temps, si tu tires aussi bien les pénaltiques dans FIFA, toi ça doit pas aller. Allez, l'autre! Et bim! Zbob, zbob. Surtout s'il tire aussi bien qu'il tire les gonzesses aussi. Non, au moins lui, quand il tire, il tombe pas malade. Ah, toujours les mamans. Et on aime ça les mamans, putain. Regarde, il a s'étouffé tellement la gueule. Enfin, Mathias, il bouffe des schnecks, mais après, il y a un cancer de mort, alors. L'alcidate, c'est mort. Bon, alors, c'est qui ta meuf, là? Ah, ça, ils sont 7. Ah, mais Gauthier, c'est privé, c'est tout. Il y a la moitié qui passe. C'est privé.
Il a pas envie de dévoiler sa vie privée, Mathias, c'est normal. Ah c'est oui, c'est... En fait, en vrai, je crois c'est touche le point sensible. Tiens, mon point sensible, il va arriver dans ta gueule, tu vois. Il fallait être là, Gauthier, parce qu'elle a quand même pris le micro. Ah oui. Ouais, c'est vrai. J'avais dit quoi comme connerie, moi. Prends soin de Mathias, elle avait dit ouais, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça, c'était ça. Mais Gauthier, t'es pas là. T'as dit dire prends soin de bébé. Non, Gauthier était pas là, il a tout manqué. Ouais. Bah, c'est ce fameux soir où après il a eu le cancer de mort. Tu dis, il a pas regardé Adèle Pierre en dessous avant de lécher. Il a bouffé l'hashtag de mort. Ah, tu lui as bouffé l'hashtag et t'étais malade. Mais non. Elle était périmée. Ça fait trop longtemps qu'elle était fermée et périmée. Ouais. Ou le pas fraîche. Elle prenait pas ses l'air. Les chauves-souris sont sortis quand même. Oh, ça y est, ça marque Joujoujoul dans le chat. Mais non, oui. Joujoujoul. Mais non, Guigui. Joujoujoul. Faut mettre. Ah ouais, mais dans le chat MXS, quoi, tu vas être dans le chat MXS. Joujoujoul. La communauté est plus civilisée que ça quand même. T'es sûr? C'est, t'avances pas trop. Chiquita. Non, commence pas, prendre s'il te plaît, parce que... Il a fait une chanson sur Yamaha, je sais pas quoi. Oui, ouais. J'ai vu, là, je lève ma Yamaha ou je sais pas quoi, là. Ouais, j'ai vu ça dans les parents. Ah ouais, c'est ça, ouais. Je suis sur téléphone. J'ai pensé à Mathias. Non, moi, dans mes abonnements, je l'ai vu. Dans tes abonnements, pardon. Ah merde, t'avais pas dit ça. Bah, je vais quitter la MT. Mais voilà, c'est le sondage, ça continue, bon. Ça c'est Twitch qui gère ça, hein, c'est pas moi. S'ils mettent une restriction, qu'ils me mettent au moins les pubs et que je gagne de l'argent avec mes lives, ça serait cool. Ah ça y est, ça demande de l'argent, putain mais... Ah bah oui hein. Toujours l'argent. Non mais là, le papa s'il va faire un don de 1 000 euros normalement, il l'a dit. J'ai vu, j'ai screen. C'est écrit noir sur gris. Et noir sur gris, bah bien sûr. Le chat il est gris. En fait il est pas blanc. Allez. Pourquoi tu rigoles, Pablo? Parce que je vais t'enculer. Ah, c'est. Ça y est, vous avez lancé le chat. Ah mais gros, on rigole tous, Pablo il va suivre, il va rigoler alors qu'il sait pas de quoi on parle. C'est un mouton, Pablo. Ouais, ah, attention, là. Vas-y, on fait comme ça. Oh. T'appliques. Ah, ça parle pas sur les mers là. T'as dit quoi? Non, bah non. Elle a déjà pas pris plein à la gueule. Ah. Bazardé. Ah là là, attends qu'on va se voir au mois d'août, mon gars, je vais te démonter. J'ai pas venu ici. Oula, moi je rentre pas dans vos histoires de sexe. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Ah mais j'aurais l'air trop gêné, Viper, s'il le fait vraiment. C'est-à-dire que les cabanes ne savent pas faire de femmes. S'il le fait vraiment, j'espère vraiment qu'il en avait pas besoin, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Chouin, chouin. Mais tu sais, Mathias, j'avais pas compris pourquoi tu m'avais identifié dessus. Ah oui? Après, j'ai vu la chanson l'autre con là. Tu connais pas Chouin Chouin Chouin? Tu connais pas Caris? Je connaissais pas. Oh! Charismatique. Non, c'était pas drôle en fait. Ouais. Charismatique. Ça va se bloque pas là. Ça se bloque pas, regarde pas. Vas-y, essaye encore. Ça y est, oui, ça y est. Y a oh! Oh, il a pris plein de travers. Chiki Chiquita, elle a le regard qui tue. Quita cheval. Où c'est que tu lis ça, toi? Dans le chat. Ça part en couille. Ça y est, là on a chanté du Joule, il y en a, ça va les exciter. Ah ouais, ça va les arriver. Notre joulaïsme. Ouais. Joule. Ouais, chale. Comme ça, on va être censuré. T'inquiète, oh. Voilà, copyright, Hugo il va être à cause de Joule. Qu'est-ce qu'il a lui? Joule. Oh mais il est relou, il est cassé. Ah non, il a pas osé. Oh, il a pas osé. Non. Ouais, oh, non, non. Ok, alors... on est là. Mythis, RPZ. Oh,
Oh, j'ai ma finale, moi, quand même. En fait, j'explique pour le chat quand même, on a un bot sur Discord où on marque la musique qu'on veut et ça la joue en direct. Et j'ai marqué Jules, wesh alors. Et c'est pour ça que vous l'entendez en fait, c'est que c'est la jouer dans le Discord, ça rajoute une personne qui joue la musique directement de YouTube. Merde, non. Je suis chier. Oh non, c'est... Non, mais tu notes. Non, arrête. Mais oui, je puisse prendre la tête. Je me prends plus la tête, moi, ça fait quelques semaines que je me prends plus la tête avec les lives. Si les gens aiment pas, ils se cassent, ils aiment bien, ils restent, voilà. Attends, si tu marches YouTube, faut être naturel. Ah, Pablo, il connaît dans le chat. Ah, c'est bien. Arrête! Oh là là. Zango. Putain, on va ça va moins rigoler la semaine prochaine quand je mets de la musique dans votre course. Protestant DJ! Non, Mathias, c'est le warm-up, s'il te plaît. Oh, je sais pas qui l'a mis, mais Non, mais c'est pas possible, franchement, t'es chiant, Mathias. Heureusement que je suis là. T'es casse-couille. Bon, allez, let's go. Mais non! Arrête là! Eh, hey, Mathias, par contre, là, c'est pas moi. Mais arrête! Stop! Voilà. Oh, vas-y, Cage! Chanson poétique, l'habitat du dude. Ils sont dans mon père, limite. Ouais, on va être plus tranquille ici. Bagdad. Allez. Ouais, non, on va éviter les bavettes sur tous les sauts quand même. Bon allez, à mon départ. Déçu et choqué. Ah non, je préfère rouler au calme. Putain, le bouchon dans le premier virage. Nimp. Je te panote. Merci. Tu crois qu'on peut faire un meilleur départ que ça? Bah non, du coup. J'ai cru que t'allais tomber avec les ballons, en fait. Ouais, moi aussi j'ai peur, mais non. J'étais là, je t'aurais pu prendre un peu plus haut. Ouais, bon, c'est passé, c'est le principal. Bon, faut débarrer le bot maintenant. En mode tous les tours pareil. Mmh. Non. Ah non! Ouais. Vive le 450. Bon moment, mais ça passe. Moi, je savais que ça passait. Non! J'ai pas eu le temps de t'annoncer, il est tombé juste avant. Ouais, je l'ai vu, et du coup j'ai voulu éviter, mais j'avais perdu l'avant. Ouais, ouais. Non, mais genre. Ah, oh, putain. Je me mets jamais long, et là c'est parti quoi. Ah, mais non. Oh, ça refait comme la semaine dernière. Ouais, concentre-toi, MX, ouais. Position externe.
Bien agent Scrub. Et puis Gauthier est bien parti aussi, on le voit. Bah Gauthier est tombé au départ, mais là il est 7, il est bien monté. C'est tout à gauche à la réception du double d'arrivée. Là, c'est reparti. Comme ça tous les tours ça va être nickel. Ouais ouais c'est bien comme ça. Faut pas de risque. Le premier il est parti. Oh s'en fout, de toute façon je peux pas gagner les courses. Déjà que je fasse pas ma place de maudit 8ème et ça serait bien quoi. Ah tout ça moi celui-là tu rattrapes déjà des lapins. Hein. Ouais je sais. Je vais mettre en vue aérienne comme ça je vais voir. D'en haut pour te dire sur un droit du triple. Comme je disais, on est mieux à perdre une seconde par-ci par-là que d'en perdre 10 avec une chute. C'est clair. Ah, sur moi, c'est pas Cage qui est parti devant. Mais non ! Non. Attention, chute milieu. Chute milieu. Dessus. C'est bon. Oh. De toute façon, j'aurais pas pu suivre le premier. Même en roulant à peu près clean, je perds du temps. Aussi, j'ai vu que c'était tombé. C'est pas tombé devant. T'es deuxième là ? Ouais. Bah putain, Gauthier, il a perdu trop de temps là. Il est dans la première ligne. Alors qu'il était juste derrière toi tout à l'heure. Comme quoi. Ouais, tu peux y aller, y'a vraiment personne. Ouais, je vois ça. le seul mec qui est devant toi, le mec, il est après la ligne des oups. C'est tombé derrière toi. Il y a eu un petit bouchon de lapeur et c'était fini après. Mmh. C'est cool. Là, prends tes traces, vas-y, t'es tout seul. Ah oui, vraiment derrière, y'a personne aussi. Ah oui, même derrière. Et devant, c'est la partie sable, lapeur qui est devant. C'est grâce à Jules, ça. Ouais, faut que je reste concentré ouais. Pour qu'il passe trop de conneries. Wesh alors. Et je rattrape, hein. Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Fais pas de bêtises.
Je suis tinté après le triple. Ah, putain, j'ai le temps de me gratter, ça. Merci. Ouh là 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 là. Moi, c'est bon, ça va. Non, les gentils. Putain, je tiendrai jamais 20 minutes comme ça, quoi. Mais si, t'es bien parti là. Là, par contre, tu vas commencer à arriver sur un gros groupe là. J'ai vu, il y a Gauthier dedans. Faut que je réveille passer d'une traite, ce serait cool quoi. C'est tombé dans la ligne au bout, ils sont trois de tomber partout, donc à l'avant-dernière boss. Enfin la dernière boss. Externe. Hop, allez, déjà trois de fait. C'est Gauthier devant, c'est bon. Gauthier devant, ouais. C'est bon, là, là, là. Tiens, tu peux me déplacer dans le channel avec Gauthier, s'il te plaît? Ouais. Merci. Je t'ai déplacé, Gauthier. Ouais, ou tu aurais dû me déplacer, moi. Déplacement, parce que fait, si quelqu'un a pas noté. Non! Si quelqu'un a pas noté Gauthier. Il me pas noté. Attends, t'aurais dû me déplacer, moi. Ah oui, attends. Putain, j'ai perdu Gauthier. C'est bon, je suis là. Je vais mettre, s'il m'a déplacé, ça aurait bon. Je lui dis de me déplacer, moi, il déplace Gauthier. J'avais mal compris. Putain, pourquoi j'ai pris Oups en deux, quoi. Il était quoi, lui? Elle a dit comme ça, là. Mais c'est qui, ce con? Hugo Lienard. Ah du coup tu dois redoubler tout le monde. Là je suis tombé bêtement, je sais pas pourquoi je suis resté en deux dans les hoops, réflexe et... Ouais. Je voulais passer là, c'était trop tard. Oh, putain, j'en ai marre de me faire sauter dessus là. Attention externe au bout du virage là-haut. Il est con ou quoi là? Qui c'est là le 522 là, je sais pas quoi là. Bah ma brune, non? Mais bah ouais, mais débile ce mec. Ouais, c'est ça, 522. Ah oh, bah il était 5ème. Ouais bah j'en ai rien pour rien, mec, ça fait deux fois qu'il fait tomber ce coup. Mais... Bon, ouais. Non. Ah putain. C'est Alix devant toi, essaye de finir devant la HSR quand même. Combien, il est 15. Attention au milieu au virage. Oh il va te découper. Oh t'as vu ça? Putain, physique de merde. Ah puis bien sûr c'est toi qui perds les pieds. Ah putain. Oui il t'a doublé là. On se bataille avec Alex. C'est tombé à gauche après l'arrivée. Tu fais quoi? Oh ya ya. C'est pas envie ça. Attention milieu. Ils sont tous devant toi là. Bon là ça va être le chantier. Fais gaffe externe. Oh, comment il lag un peu doux. Oh bien. Je vais passer du 15 après. Ouais par contre le 12ème il va rentrer dans le sable donc Oh mais non, mais tu tiens ma moto là. Oh là là. Mais t'es sûr? Putain je suis de la merde, faut que j'en mette dedans, allez, il se passe. Je vais monter mon PC, moi ça me défend. Elle va sur Battlegrounds avec Pablo. Ah bah non, ça il marche pas. Bah si, je suis en train de jouer PD. Ah. C'est bien alors? Ah, t'as le seum. Ouais, bon, franchement, le peu que j'ai joué, ouais. Je suis content. Enfin, ça va, il marche pas.
plus j'ai refait, j'ai volé cette fois en première game. Putain, t'as du mal là cet enchaînement, Gauthier. Ah, je te dis, j'arrive pas. Putain, c'est Alix devant. C'est Alix, c'est Alix. Mange-le. Bouffe-le, putain. Partout. T'as 14, 15. Je perds pas tant de temps que ça à faire ça en fait. Non, ça va, je trouve. Putain, mais il est où ce bâtard? Ok, bah je suis mort. 56. Ah. Ouais. Putain, c'est un appeur, merde. Oh, je fais de la merde, désolé, mec. J'ai trop cru qu'il y avait une block pass, quoi. Freedom, bien, merci de me refollow, bienvenue à toi. C'est dommage si tu perds du temps. Là. Bah oui, mais je crois qu'il y avait une block pass, quoi. J'ai pas l'habitude que les mecs laissent passer comme ça. Faut s'y faire. Ah putain, mais c'est ton chaînement de merde, là. Apparemment, Antoine Delestre il gagne easy là. Ah bah oui, il a 37 secondes d'avance. Il va rentrer dans le sable là. Et il a un tour d'avance sur moi. Alors je suis 6. Bon, il est combien Gauthier? Je m'étais avancé mais bon. Ah! Ça fait 4 tours que je fais, 4 tours que je fais. C'est combien pour en prendre les points? 17, non? C'est les 20. Ah non, mais c'est bon, là t'as 3 points. Non, c'est tellement impossible de remonter sur ce track, c'est abusé. Ah, Zinda, elle est pas notable. Ah, excuse Zinda. Oh là là! En plus, putain, je vais toucher la tête, je tombe, là. C'est mignon. Tu le bloques, ah, c'est bon. T'as moyen d'accrocher, allez, la top 15. Allez hop. Pas le tour, il est parti en vacances. Putain de connard. C'est le 522 encore. Ah, 18. Ah, j'ai pas moyen d'accrocher. 18, le 19 arrache kit et le 20ème arrive sur toi. Elle est trop petite la liste. T'es à l'arrivée là Hugo? T'es parti 30 secondes, bah je me suis pris deux mecs. Sérieux? Ouais, y'a un qui était couché derrière la réception du triple, j'ai rien pu faire. Ah putain. Ah oui, et donc là tu... D'accord. Non putain, j'ai oublié à chaque fois qu'il y a la physique là-dessus. Oh. Non, je te dis, je vais faire 8 hein, c'est ma place maudite quoi. J'ai regardé tous tes tours et tout, y'avait rien et je me barre 30 secondes. Mais... Genre tu vois là, je suis arrivé, boum, j'ai ces triples, je suis arrivé en plein dessus quoi. Il était là juste devant, j'ai rien pu faire. Putain, faut pas que je me dis. Oh putain, j'ai... Ah, cuisine, non. Bon, mais c'est pas de ta faute. C'est du mec qui repart dans le début. Putain, j'ai tellement perdu de place. Il reste 3 minutes, plus un tour. Biche. Ah c'est bon Gauthier, t'es assuré de finir 18ème. Attention à gauche. Je suis dernier. Fais gaffe Gauthier, fais gaffe. Attention externe. Oh putain.
Allez, j'ai une blague. Parce que le 19ème, il est qu'au tour 13. Je te découpe, Hugo. Le 19ème, il est qu'au tour 13. Bon, je vais devoir vous laisser, moi. Il va se toucher, ça y est. Vas-y, je gêne trop le mec derrière. Ah non, je pars en soirée, c'est pour ça. T'es cage derrière en plus. Un mardi soir ? Bah oui, écoute. Et tu crois que c'est bien ça ? Bah oui. Non mais. Et tes études, Mathias ? Ferme ta gueule. Oublie pas ton doliprane, Mathias. Mathias, allez, bonne soirée. Ouais. Allez, bisous. Ouais, bisous. Putain, il se casse à la fin, quoi. Eh, parle mieux, ta mère. Je t'aime. Deuxième. Il se casse quand j'ai un poteau devant moi, quoi. Bâtard. Quand je prends le relais, alors. Ah là, inter. Ah là là, il s'est mangé. On a peur en plus. Oh, Harry White, il se mange milieu. Ah, il tombe pas, s'il tombe, c'est bon, il ne gênera pas. J'ai pas eu lui. Oh, ça c'est bien. C'est une chicane mobile. Bêche. Ça c'est un lapeur. Ah mais qu'est-ce que c'est un lapeur. Ah. Je crois qu'il était juste derrière moi. Oh, ça c'est bien aussi. Non non, c'est un lapeur. Ça va. C'est Harry White qui est derrière toi, mais lui il roule comme un forain, il se boite tout le temps. Mais oui, ça va, c'est Harry White. Fais gaffe, Exter. Pourtant, il a l'air de rouler fort, pourtant. Mais oui, il roule fort, mais pas serein, en fait. Il fait des enchaînements, mon gars, personne. Il fait des putains de temps autour, mais il se boite, donc ça sert à rien. C'est le parfait exemple de la rapidité qui sert à rien. Ça va. Bon, allez, dernier tour. Ah, dommage, pas top. De toute façon, il est où, le cinquième ? Il est loin, 20 secondes. Ouais, il est dans le Dragon Back. C'est tout ? Ouais. Ça me paraît énorme. Pas beaucoup pour... Ah oui, 10 secondes. Pas de chance, il va se boiter. C'est lui, là ? Dans le king ? Non, non, il est à la sortie du sable. Ouais. Non, non, merde, non, il reste non. Un tour encore. Peut-être que je pourrais le rattraper. J'ai de la chance, je prends de la chance pour le rattraper. Bah s'il fait une erreur, ouais, ça devrait être bon. Ouais. Ah, je suis 17ème. 18ème, il a rajouté. Je joue sur le mental. ...522, c'est le même bruit ? Non. Mmh. 522 ? Ouais. Ouais. Vas-y, je laisse pas passer celui-ci. J'ai encore un tour ? Ouais. Ah non. Merde. Oh non ! Dis-moi qu'il est loin le 7. Ouais, ouais. Ah. Il est à sortie du sable. Bon, un peu mieux que la place maudite, quoi. Ça remonte, mais bon. Le départ que j'ai dit, j'aurais dû faire carrément mieux. J'aurais dû faire le top 5, quoi. Et j'ai fait de la merde. T'es combien là ? 6. Allez, go. T'es combien ? Et j'ai fini 6. Mais bon. Ah. Bon, ça, c'est quand même mieux, ça commence à venir, mais bon. Alors, t'as une démo si tu veux essayer MX Simulator Burning Blade qui est disponible sur le site pour acheter MX Simulator, sinon tu dois l'acheter. 17ème.
Pourquoi il a dit quoi, j'ai des poils? Comme pourquoi je me suis allumé? J'ai roulé clean, franchement, ça va. J'ai fait tomber personne. Oh. Bon, ça commence à revenir petit à petit, quoi, mais bon. Ça... I2X et Clément Rebillon. Ça revient doucement, mais sûrement. Mais dommage, j'aurais pu faire largement mieux. Et bon, sixième. Un jour, peut-être que je ferai le top 5. Peut-être un jour, peut-être. Qui sait. Ça risque d'être assez loin. Non, t'as accès pratiquement à tout, à 99% du contenu. Y'a Gauthier, tu t'es déco? Non. Je vais monter mon PC. Non, mais c'est bien. On va aller voir un peu comment ça avance. Y'a. Comment il s'appelle? Anthony. Bah écoute! Brigodière qui t'a dit de faire gaffe à la prochaine course. Qui ça? À Gauthier? Ouais. J'ai pas vu. Parce que si c'est lui que t'as découpé, tu sais. Essaye de. C'est comme ça. Putain, ça me saoule les mecs qui crachent dans le dos du team comme ça, quoi. Le mec, il a été un an dans la team et qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il se casse, il crache dans le dos, quoi. Qui ça? Rebion? Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Voir. YouTube. Il dit quoi? Il va pas répondre. Ouais. Bah du coup on saura pas. On ne le saura jamais. C'est un mystère. Un Hugo? Ouais. Il dit quoi du coup? Non, il disait quoi, que à tous les coups, vu la mentalité du team de MT Factory, Gauthier essaye de pas laisser passer les gens, un truc comme ça pour que Hugo fasse une bonne place. Alors que le mec, il a été un an avec nous, il sait très bien qu'on n'est pas comme ça, quoi. Ça me saoule les gens comme ça. Mais bon. Il a dit ça sur ton live? Non, sur ce, le sien. Visiblement, il est plus en live, j'arrive pas à charger son live. À mon avis, il a dû couper. Il a rage, il est figombien, lui. Ouais, non, il y a juste le mec, oui, que... Ouais, franchement, le mec qui a voulu me laisser passer et que j'ai recoupé un... Mais c'est que... On a tellement fait, le problème c'est qu'on a tellement l'habitude, je sais pas si c'était un lapeur ou si c'était un mec en fait devant moi, et on a tellement l'habitude de se faire découper dans les virages dans ce genre de cas que bah moi j'ai voulu freiner, prendre intérieur et lui bah il a pris intérieur et quand je l'ai vu devant moi j'ai pas su quoi faire et du coup bah j'ai vraiment rien pu faire quoi. Ah. Mais c'est vraiment chiant parce que on a perdu tous les deux du temps et je suis désolé pour le mec mais je pouvais rien faire quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on a, on chope des habitudes à force de gens. Je me suis dit, il est à l'intérieur, il va aller chercher l'extérieur comme un gros bourrin, il va pas faire gaffe au drapeau bleu. Et comme Manu da Silva, hein, on l'a bien vu en hit. Hein. Le drapeau bleu, qu'est-ce que c'est? Je m'en bats les couilles. Et du coup, je me dis, hop, je prends l'extérieur, je pique à l'intérieur, ça passe nickel, je le double. Et en fait, finalement, non, il m'a laissé passer et j'ai paniqué, moi, j'ai pas su quoi faire devant lui. Mais bon, c'est la vie, hein, comme on comme dit, Pablo. Ça arrive à tout le monde. Hein? Comme Pablo, il a paniqué. Ouais, de toute façon, peu importe le jeu que t'as sorti en ligne, le prise en main de l'animateur est très dur et très longue. Tu vas bien mettre un bon mois avant de t'amuser sur le jeu, quoi. J'entends pas les rageux. J'entends pas les rageux. J'irai voir Sardif. J'irai voir. De toute façon, elle va pas être longtemps en ligne. Mais ça me saoule les mecs comme ça, tu sais, qui crachent sur les gens alors qu'ils étaient dans la team quoi, et que le mec était super content, il était bien à la team quoi, on l'a jamais insulté ou quoi que ce soit, et... il arrive dans le dos et là... Ouais, après il est énervé quoi, je comprends. Ouais, non mais il a pas craché sur la team, dire que t'es une team de merde, qu'on a une mentalité de merde, au pire il gueule sur toi et puis basta, mais pas sur toute la team quoi. Ouais, de toute façon Clément Rebillon... Il rage pour rien. Et après, c'est lui qui vient me dire que je rage pour rien, que je dis de la merde et que je rage pour rien en live, quoi. C'est de l'embrouille de merde, quoi. C'est ça. Pas vraiment des profils, je sais pas. C'est comme en.
Anthony là qui est venu et quand il est parti il a voulu foutre sa merde avant de partir quoi. Les gens comme ça m'énerve quoi, ils sont bien dans la team et au bout de 6 mois ils ont une meilleure proposition, du coup bah c'est les premiers gens à se casser, ils ont mieux ailleurs. Mais ça j'ai toujours dit, MT Factory n'est pas une team de niveau, on est plus une bande de potes. Médric, merci de m'avoir follow, merci, bienvenue à toi. On est plus une bande de potes qui jouent ensemble et qui essayent de progresser quoi, voilà c'est tout. Il y a une bonne ambiance et comme je dis à chaque fois, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de teams où il y a une ambiance comme la nôtre. Ouais, c'est spécial comme gameplay Mix Simulator, mais quand t'as pris goût, franchement, moi je retrouve ce plaisir dans aucun jeu quoi. D'ailleurs, c'est à peu près en fait la période où j'ai progressé sur Mix Simulator, c'est la période où j'ai arrêté MXGP. Où en fait, j'ai plus pris goût à jouer à MXGP. Et enfin, maintenant, j'y reprends goût, mais que très peu. Et c'est vrai que c'est cette période là où bah, c'était tout ou rien quoi. Mais bon. Je recrute pas, désolé, Screw. Personne rentre. Allez, à 90% du temps, c'est des connaissances de connaissances, comme là, Etienne, parce qu'il connaissait déjà du monde, il venait déjà fois sur le Discord, et du coup, voilà, on l'a recruté parce que je suis gentil. Il y a juste Gauthier, en fait, qui a été recruté par biais de recrutement. Le seul recrutement qu'on a fait externe de la team en 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi. C'est vrai, ça, j'ai été recruté comme ça, moi. C'est le seul recrutement. Et d'ailleurs, ça ne nous motive pas à en faire d'autres parce que bah sur le recrutement, on a quand même recruté 3, mais Christophe Telisker, je le mets à part parce que c'est quand même un cas différent. C'est pas négatif quand je dis un cas, s'il voit ça. De toute façon, il sait très bien ce que je pense de lui. C'est juste qu'il. C'est qu'un con ! Il est pas du tout dans l'e-sport ou quoi que ce soit, hein, il est pas du tout à fond dedans, lui c'est plus sur le délire. Mais c'est vrai que sur le recrutement externe, on a eu bah, un super cas avec Gauthier et un moyen cas avec Anthony, quoi. Mais bon. C'est pour ça que j'aime pas trop recruter en externe, je préfère recruter en connaissance de personnes. Quoi. Mais voilà! En tout cas, moi je vais vous laisser. J'espère que ce petit live vous aura plu et que Joule aura motivé les troupes. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bon courage à ceux qui bossent demain. Bon courage à Ben Katem pour son examen de demain. T'as vu, j'ai retenu que t'avais un examen demain. Bon courage. Choki, bienvenue à toi, merci Marflo, merci. Et bon courage. Combien ce soir? Et bon courage. Oui, il veut beau là. 891, bientôt les 900. Prochain live, ça, à mon avis, ça passe les 900. Donc merci à tous qui m'ont follow, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à tous, ciao, bye bye. Peace. Il y avait des snacks pas fraîches à manger. Oh merde, j'étais encore...